Hola tout le monde, les gens, comment ça va? C'est Laetitia du centre Être et Rayonner, où je vous accompagne en fait à vous accueillir et à être autonome dans votre écoute de soi et donc à être et rayonner. Tout comme je le fais pour moi, n'est-ce pas? Donc, j'aime beaucoup, ça ressemble à rien du tout, mais c'est les stars qui font ça, non? Dans la série des trois vidéos que je voulais vous partager depuis longtemps et pour lesquelles je me retenais, voilà, pour la raison que j'ai expliquée dans la précédente vidéo, je vais donc maintenant vous partager en fait sur la clairvoyance et sur ce qu'est la vraie clairvoyance. Si tu as écouté la vidéo précédente, je pense que tu as déjà un aperçu et que sans doute tu comprends déjà ce que je veux te dire. Et t'as vu? J'ai les mains libres. Alors, j'ai pas de trépied, j'ai pas acheté de trépied. Voilà, je fais comme je fais. J'ai empilé des choses pour pouvoir être à hauteur et avoir enfin mes deux mains pour te parler. Donc, le sujet du jour, c'est donc la clairvoyance. Comme je le disais dans l'autre vidéo, j'aurais aimé savoir tout ça. Mais bon, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de mystère, surtout avec tout ce que j'ai traversé par rapport à tout ça. Il y a des raisons que aujourd'hui je comprends, qui vont me servir parce que j'ai pu expérimenter ça en long, en large et en travers, qui fait que pour accompagner les enfants, c'est très bien parce que comme ça, je vais pouvoir décortiquer entre guillemets les choses et voilà, bref, les accompagner avec toute cette expérience. Clairvoyance, comme on l'entend, c'est voir. Les mondes subtils. Alors, soit on les voit en physique, hein, comme ceux qui disent qu'ils voient les fantômes, soit on les voit sur notre écran mental, tu vois, si je peux dire. Ou alors, c'est la clairvoyance, c'est pareil, c'est comme par palier. Alors, je vais essayer de reprendre un petit peu comme j'ai fait pour la clairaudience. Quand on entre dans le monde de la spiritualité, on est tout de suite attiré par les vidéos de clairvoyance et de clairaudience, etc. Et on veut absolument voir les mondes subtils, etc. Oui, la vraie clairaudience, voyance, pardon, la vraie clairvoyance, c'est pas que ça. C'est une étape. Pour reprendre ce que j'avais illustré dans la vidéo sur la clairaudience. Quand on arrive au monde, si on prend ce point de vue-là, si on prend du point de vue de la conscience, tout est exprimé en même temps, donc il n'y a pas vraiment de notion de passé, etc. Mais mettons-nous sur un plan de l'échelle humaine, la vision de l'humain avec l'échelle de temps. Quand on arrive au monde, on vient avec ce qu'on appelle le voile de l'illusion, d'accord? Et donc, on commence à comprendre que bah, il faut enlever ces voiles de l'illusion pour un retour à soi, d'accord? C'est la conscience qui s'expérimente et qui, sur de différentes manières, hein, t'as vu, on est 8 milliards sur Terre, donc tu vois un petit peu sur cette Terre, sans compter les autres planètes, univers, etc. Donc, elle vient s'expérimenter sur bah, comment elle fait pour un retour vers elle. D'accord? Et la clairvoyance, là, alors au début, la vision qu'on en a, donc bon, déjà, nous, la voir, c'est voir avec les yeux physiques. D'accord? Et donc, la clairvoyance, c'est, on va parler du troisième œil, et voir avec les yeux subtils, on va dire. Ok? Le troisième œil, quoi. Et donc, dans cette notion, on va avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, voir les esprits, mettons, voir les âmes. Alors, soit on va les voir, là aussi c'est pareil, il y a comme une notion d'étape. Alors, nous on appelle ça des évolutions ou des étapes, etc. Mais c'est pas des niveaux à atteindre, d'accord? Comme je disais, ton champ de conscience il est comme ça quand tu arrives au monde. Et en fait, c'est une expansion de ton champ de conscience qui fait que tu vois autrement, justement. Tu commences à voir différemment. Donc, dans le départ, on va, voilà, les yeux physiques, voir les choses, etc. Et puis, donc, après, tu t'enchaînes sur la clairvoyance. Et puis, la clairvoyance, donc, ça va être, tu vas penser à voir les mondes subtils, voir les âmes, les esprits, les d'autres êtres, ok, galactiques ou d'autres mondes, etc. Peu importe. C'est avoir cette vision-là. C'est déjà voir le subtil. Okay? C'est une première notion.
Et puis plus tu vas aller, et plus tu vas te rendre compte que la clairvoyance, ça va être aussi voir clair dans une situation. C'est voir au-delà. C'est voir au-delà des apparences. Voir au-delà des comportements. Et plus ça va, et plus c'est un peu plus difficile pour lui-même, parce qu'après, c'est voir aussi au-delà des peurs. Mais donc au-delà de ses propres peurs, ce qui là nous demande un petit peu plus d'amour et d'accueil de soi, parce qu'on est d'accord que voir au-delà de nos propres peurs, ça demande beaucoup plus de douceur. Et donc tout ça en fait, c'est voir avec le cœur. Ce qui me revient là, c'est que quand ça m'est venu, c'était une époque où, alors je ne suis pas du tout religion et compagnie, mais du coup, j'allais dans une église juste parce que voilà, ça me faisait du bien. Il y avait, tu sais, les statues là avec les saints, les saintes, etc. Et notamment, il y avait celle de Jesus, ok, notre ami Jesus, Yeshua, Sananda, de son énergie ascensionnée. Et en fait, quand j'allais à certains saints, je recevais un message et ce message, en fait, il apportait une autre vision de ce qu'ils étaient et de ce qu'ils apportaient. Et en l'occurrence, Jésus, moi je préfère dire Yeshua, en fait, c'est... Je ne sais pas pourquoi je parle plus doucement. Donc Yeshua, en fait, son énergie, clairement, ce qu'il me montrait, c'est voir avec le cœur. Et donc voir au-delà, comme je t'ai expliqué juste avant, voir au-delà de tout ça. Voir au-delà des comportements des gens, voir au-delà de leurs paroles, voir au-delà des situations, voir au-delà. Vraiment passer tous ces... Comme tous ces... Je sais pas comment dire... Tous ces voiles, enfin tu vois, passer... ouais, passer tous ces voiles et voir enfin avec le cœur. Et quand tu vois avec le cœur... c'est beaucoup plus clair. C'est-à-dire que déjà, il y a des choses qui t'atteignent beaucoup moins, parce que tu te rends compte que les choses ne t'appartiennent pas. S'il y a quelqu'un en face qui réagit ou qui a quelque chose que tu dis ou quoi, tu vois que ça n'est pas toi et que c'est l'autre. Donc tu peux le comprendre. Ça ne veut pas dire que tu vas accepter tout ce qu'il va te dire, notamment si c'est quelqu'un qui est énervé et qui t'insulte. Ça ne veut pas dire que tu vas accepter ça. Ça veut dire que tu peux voir ce qui fait ça. Et le voir et le reconnaître, qui il est, c'est... Voir et reconnaître qui tu es, c'est aussi une partie de toi, puisque l'autre est une partie de soi. Mais dans ça, c'est ne pas oublier que c'est ne pas oublier de s'individualiser aussi, parce que on vient s'incarner et expérimenter dans la matière en individuel. Donc c'est pas parce que l'autre est moi que ça veut dire que je dois absolument faire de son histoire la mienne, etc. Ok, c'est son expérience à lui ou à elle. Donc, on lui laisse son expérience. On a déjà bien à faire avec la nôtre, hein, non? Donc voilà, la clairvoyance, c'est ça. C'est voir avec le cœur et passer un petit peu tous ces voiles et réussir à ça. Alors, ça va demander du temps. Hein, c'est pas forcément du jour au lendemain, hein, ça demande du temps, de la connaissance de soi, de l'apprentissage, des expériences. Et au fur et à mesure, on a le champ de conscience qui se réouvre, qui s'agrandit, qui s'expanse, utilise le mot que tu veux. Et ça nous permet de voir tout ça. Et à un moment donné, ça s'installe, parce que tu as une période où ça peut être un petit peu flou, ça fait beaucoup d'informations et tout, mais tu as un moment donné où ça s'installe. Et c'est beaucoup plus en paix, beaucoup plus posé et... Et ça fait du bien, c'est chouette en fait. Et tu comprends que par là où t'es passé, c'est... des fois ça peut être un peu complexe, mais c'est intéressant. Et en fait maintenant on arrive dans une période où, alors nous on a eu une... On a eu à... On a commencé à expérimenter tout ça, donc il y a eu beaucoup de... Comment je peux dire? C'était très complexe, etc. Mais en fait de toutes nos expériences, maintenant on peut simplifier et transmettre aux autres... de manière plus directe ce que c'est. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair ce que je te dis, mais on est passé par des trucs en traversant en long, en large et en travers pour pouvoir transmettre ensuite aux autres dans la simplicité, en fait, et d'aller à l'essentiel, parce que
Bah parce que c'est comme ça, il n'y a plus le temps. Et il est temps que tout le monde rayonne et s'autorise à être soi. Donc voilà. Voilà pour ce partage sur la clairvoyance. La clairaudience, voilà, c'est dans le même thème, tu vois. C'est la même chose, en fait, tu vois. Écouter avec le cœur, c'est voir aussi avec le cœur, tu vois. C'est lié tout ça. C'est... Voilà, donc j'espère que ça t'aura servi et que ça aura éveillé quelque chose en toi. Enfin, si tu es sur cette vidéo, c'est que il n'y a pas de hasard, donc c'est que c'était fait pour toi. En attendant, je te fais plein de bisous, je te souhaite une très belle journée et puis je te dis à la prochaine vidéo sur l'ancrage. Qui est aussi très intéressante. Voilà, je te dis à tout bientôt. Kenavo. Ciao.